Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 571e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré. Merci. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin, mais enfin devenue culte. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le JJDA, c'est l'émission que vous pouvez regarder de génération en génération, animée par le plus beau, le plus grand, le plus svelte des animateurs. Jackie Jakubowicz, c'est moi d'ailleurs, je vais me lever, Emilio, merci beaucoup. Merci, oui. Un petit rappel, s'il vous plaît, applaudissez-moi. Merci beaucoup, merci. Merci. Ouais. Ouais. Ah. J'arrive même pas à m'installer, dis donc, Florian. Hein, bon. Il y a un quart de fans, là. Oui, il y a un quart de fans qui vont arriver, d'ailleurs. Hein. Bon, alors... Justement, je vous demande de faire un triomphe à ma femme. Bon, c'est une fan de je ne sais pas qui, mais enfin, c'est une fan. Elle est Miss JJDA 2011. Elle est blonde, enfin, je crois. Elle est portugaise, ça, j'en suis sûr. Bah, c'est la divine Kelly. Allez, applaudissements et entrez sur la malle de Kelly. Bonjour, Jackie. Bon, alors, Jacques... Ah bon, Kelly, tu es fan de moi ou non? Pourquoi? Bah, je te demande, tu peux bien Bien oui. sûr, si, si, Jackie. Oui, tu te disais non, tu dégageais tout de suite. Ah oui, mince. Non, mais j'ai dit oui. T'as dit oui. Tu es blonde? Oui. Tu es portugaise? Exactement. Et tu vas nous chanter Scooby-Doo, Scooby-Doo. Deux, c'est trois. C'est ça. Allez, c'est parti. Bravo, Kelly. Très, très bien. Tu bégayes, qu'est-ce que t'as en ce moment? Je bégaye? Oui, t'as des problèmes d'élocution, quoi. Ah, c'est le son, c'est d'accord. Allez, on embrasse très très fort Kelly qui va nous servir des décors tout au long du JJDA. Et ce n'est pas tout, fidèles téléspectateurs, je suis entouré de jolies filles, puisque maintenant j'ai l'honneur d'applaudir. D'ailleurs, vous allez applaudir avec moi. Ah, monsieur, vous allez où? Non, mais venez, oh, venez. Non, mais attendez là, parce que je voudrais vous parler. Qui c'est le monsieur chauve, là? Un cosaque? Il y a quelqu'un qui connaît le monsieur Chauve qui est passé là? Ah, c'est le directeur casting. De casting de quoi, Kelly? Les mystères de l'amour. Ah, des mystères de l'amour. Ah bon, d'accord, bah, c'est dommage, hein, pour toi, Kelly. On va vérifier. Bon, reprenons l'émission. Je vous demande donc de faire un triomphe à la première Miss JJDA. Elle s'appelle Isabelle, elle est divine et on l'applaudit très très fort. Entrez solennelle. T'embrasses pas le micro? Non, c'est toi que je vais embrasser. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Oh bah écoute, encore une question, Isabelle? Oh non, tout non, va bien. Non, t'as rien à me dire, quoi, en gros. Si, joyeux anniversaire. Ah oui, ah, oui, c'est les 4 ans de la chaîne, c'est ça? Alors, joyeux... Oui, au fait, c'est vrai, ça. Voilà. Hein, c'est les 4 ans d'IDF1. Voilà. IDF1, c'était le 20 mars 2008, alors. Oui, hein, oui, c'est il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, mais tu n'étais pas là. 2012-4. Non, hein, moi j'étais là. Tu étais déjà née, mais tu n'étais pas voilà sur IDF1. Mais je regardais IDF1 et je te regardais avec c'est ton vrai décor blanc et toutes les couleurs. Et maintenant, ouais, on voit l'évolution. Ouais, hein, c'est sympa, ouais, Isabelle. Ouais, voilà, c'est fou. On applaudit très très fort, Isabelle. Et maintenant, nous allons accueillir l'animatrice vedette de la chaîne, la mascotte de la chaîne. Bah oui, c'est ma femme. Bah, c'est tout d'ailleurs, c'est tout pour moi. Elle s'appelle Sandrine, on l'applaudit. Et c'est ma fidèle assistante, Noémie. Qui arrive avec Sandrine, Noémie et Sandrine. Ah, comment ça va, Noémie? Très bien, et vous? Bon après-midi. Ça va. Bonne matinée. Super. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a fait Sandrine aujourd'hui, Noémie? Eh bien, comme tout le monde ici, elle a fêté les 4 ans de la chaîne. Ouais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chantez bien, mais toutes les trois. Happy birthday, happy birthday to you. C'est mignon, hein? Oui, c'est complètement faux. Oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas happy birthday, Florian, non? Pas là, non, tu peux pas le trouver par hasard. Enfin, ou pas rasé, quoi. Je sais pas, un des deux, quoi. Mais oui, parce que le 20 mars, d'abord c'est le printemps aujourd'hui, hein. Et le 20 mars 2008, eh bien, apparaissait IDF1 sur la TNT, puis un peu partout d'ailleurs. Donc, bon anniversaire à IDF1, que j'applaudis moi-même. Bravo!
Et oui, il y a 4 ans, il n'y avait pas encore le JJDA, car j'ai démarré un peu plus tard. Mais aujourd'hui, il y a le JJDA. De quelle couleur, d'après vous? Bleu, 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 bleu. Bah pourquoi? Pourquoi, Florian, bleu? Pourquoi? Hein? Oui, attendez, il ne sait pas pourquoi, Florian. Bon, on va attendre, on a que ça à faire, attendre. Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel. Oh. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Mais oui, c'est sensationnel, tant de bleu. C'est une magnifique chanson d'Edith Piaf. Allez, on l'applaudit très très fort. Chaque jour, nous recevons dans cette émission une vedette internationale ou une vedette nationale. Eh bien, aujourd'hui, fidèles téléspectateurs du JJDA, j'ai l'honneur de recevoir, rien que pour vous, la divine Françoise Hardy, qu'on appelle très très fort. Elle est là, au JJDA, rien que pour vous. Alors Françoise, est-ce que tu regardes souvent le JJDA? Oui, oui, mais moi, vous continuez à chanter, les filles, c'est bien. Bon, bah, Françoise adore le JJDA et DF1. Alors, Françoise, tu serais d'accord si les téléspectateurs du JJDA te posent des questions? Eh bien, Françoise est tout à fait d'accord. Vous allez pouvoir poser pardon, vos questions à Françoise Hardy. Et à moi-même, d'ailleurs, Jackie du JJDA. Pour ce faire, un seul numéro de téléphone, je vais vous le dire d'ailleurs, 08 92 780 777. Je répète, Kelly, est-ce que tu as pas vous le montrer? C'est très bien. 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme, mais extrêmement modique somme, de 34 centimes d'euros. Et oui, bah, ça va m'aider à racheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Je vais d'ailleurs bientôt pouvoir acheter cette fameuse chaîne préhistorique. Alors attention maintenant, il y a une annonce extrêmement intéressante. Hein? Vous êtes prêtes les filles? Pour tout, pour le roulement de tambour, pour le jingle. Hein? Alors attention, attention, voici donc un message très important pour toutes les jeunes filles en fleurs. Eh oui, je déclare solennellement que l'élection de Miss JJDA 2012 est ouverte. Attention, le jingle, c'est parti. C'est parfait. Et oui, regardez-les, regardez ces merveilles de la nature. Tout d'abord, Miss JJDA 2010, Isabelle 2. Isabelle, avec son, bah avec son rire, Isabelle, est-ce que tu peux rire, s'il te plaît? Oui, merci Isabelle, c'est très bien. Et la divine Kelly qui va danser devant vous. Eh oui. Merci les filles. Eh bien, écoutez-moi bien, eh oui, ce sera peut-être vous, la Miss JJDA 2012. C'est vous qui passerez une semaine de rêve, eh oui, dans une caravane magnifique, n'est-ce pas, Kelly? Hein, elle était bien, la caravane. Hein, une semaine de rêve avec moi, Jackie, du JJDA, sur le parking d'IDF1, dans une caravane. Je ne vous dis que cela, d'ailleurs. Alors, attention. Attention, comment faire pour s'inscrire? C'est très simple. Vous allez sur notre site www.edf1.fr, vous sélectionnez Miss JJDA et vous nous envoyez un mail à missjjda@idf1.fr. Je répète, missjjda@idf1.fr en suivant nos instructions. N'oubliez pas de nous envoyer vos photos, je dis bien vos photos, parce que cette année, il y aura 3 photos. Une photo de votre visage pour que nos téléspectateurs puissent admirer votre remarquable visage. Merci. Une photo en pied pour que nos téléspectateurs puissent admirer votre remarquable silhouette. Et une photo avec uniquement vos pieds pour que nos téléspectateurs puissent admirer vos pieds. Et comme ça, ils pourront danser avec moi pendant la durée, c'est-à-dire pendant la semaine de rêve. Vous avez compris? C'est parfait. Alors, non, on ne le fait plus ça, c'est bon, on ne le fait plus. Bon. Par ailleurs, grand jeu concours. Si vous voulez gagner l'intégrale en DVD du dessin animé culte Rémi sans famille, allez sur internet www.idf1.fr, rubrique jeu. Vous avez jusqu'au jeudi 29 mars. Tout à l'heure, après les pubs, je recevrai la divine Claire de Namur, que je vous demande d'applaudir extrêmement fort.
pour son nouvel album Vagabonde. Claire de Namur sera avec nous après les pubs. Alors attention, hein, vous pouvez commencer à envoyer vos photos pour Miss JJDA, parce que c'est peut-être vous qui allez passer cette semaine de rêve avec moi et peut-être les anciennes Miss JJDA, Isabelle II et Kelly, n'est-ce pas? Oui. Hein? Ça pourrait être sympa. Bon, mais le JJDA, c'est avant tout des news people, des news médias. Donc, je vais prendre le panneau jingle et je vais lancer les news du JJDA. Vous êtes prêtes, les filles? Oui. C'est parti. Voici donc les news du JJDA. Tan taran 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 taran. Bravo. Nous allons donc démarrer avec les audiences d'hier soir. En première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait la nouvelle saison de la série française Clem. Et cette série a captivé 6 334 000 téléspectateurs. Un excellent score pour la chaîne préhistorique TF1. Qu'en penses-tu, Sandrine? Oui, Sandrine est tout à fait d'accord avec moi. Merci. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait de nouveaux épisodes de la série américaine Cold Case, qui a rassemblé 5 661 000 téléspectateurs. Un très bon score pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, programmée le divertissement présenté par mon confrère Stéphane Rothenberg, Top Chef, qui a séduit 3 859 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas mal pour cette petite chaîne M6. Enfin, en dernière position, eh bien, c'est la chaîne préhistorique France 3 qui ferme la marche, comme d'habitude d'ailleurs, ça devient quand même éprouvant. Avec le jeu des chiffres et des lettres, c'était les 40 ans de chiffres et des lettres, bah, ça leur a pas porté chance. Et oui, ce jeu n'a convaincu que 1 772 000 téléspectateurs, un score, oui, qui frise la catastrophe. Mais vous connaissez les chiffres et des lettres, les filles? Oh, j'adore jouer à ça. Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? J'adore jouer à ça. Ouais, bah, tu as joué hier soir ou... Ah, mais juste avant le JJDA, j'étais en train de jouer. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Bon, nous poursuivons l'émission, s'il vous plaît. Alors attention. Bon. Ce qui veut dire donc que les chaînes préhistoriques, écoutez-moi bien, ont réuni 17 626 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 48 676 000 téléspectateurs à regarder DF1. Nous sommes en tête des audiences. Attention, on va fêter ça va twister les filles. Surfing Bird, nous sommes en tête. Eh bien, merci pour votre fidélité. Merci les filles, vous avez très bien lancé. Plus de 45 millions de téléspectateurs. C'est incroyable, Florian. C'est extraordinaire. Oui, qu'en penses-tu, Françoise Hardy? Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Eh bien, Françoise est très contente, donc on est très contents. Surtout pour les 4 ans de la chaîne, c'est parfait. Nous sommes encore en tête des audiences. Je poursuis donc l'émission. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site idf1.fr et que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Si vous voulez poser des questions... Ah, pardon, ben voilà. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Bonjour Jackie, c'est Ying. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Céline. Ah, Céline, comment ça va, Céline? Marine. Ah, Marine, pardon? Marine. Ah, Marine. Non, Ying. Ah, Ying. Alors, tu habites où, Ying? Ying, j'habite en 93. Tu peux pas... Là, tu parles en 45 tours, tu peux pas parler en 33 tours? Pardon? Je comprends pas. Ah, bon, tu habites où? Non, j'habite en 93. Mais t'es hyper speed comme fille. Maintenant, je suis en train de travailler, je n'ai pas le droit d'appeler. Ah. Mais je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et par contre, dans le générique, il n'y a pas le mon nom correctement. Moi, je m'appelle Chaïn Yon Song Li Lale. Bon, d'accord, alors. Et à part ça, ça va? Ah, bah oui, très bien. Tu peux faire la modification, s'il te plaît? Chaïn Yon Song Li Lale. Mais tu parles très très vite, je comprends rien là, à ce que tu dis. C'est incroyable, hein? Ah, s'il te plaît, merci beaucoup. Moi, je oui, prends... il faut que j'aille travailler. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il va pas bon, je vais travailler. Mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Mais elle est complètement speedée, elle, c'est quoi? Hein?
Ouais, une overdose de naine, c'est un peu ça, non? Bon, allez, on poursuit. Autre news politique. D'après un sondage pour mon confrère Le Nouvel Observateur, la campagne présidentielle dans les médias réserve trop de place à Nicolas Sarkozy, François Hollande et Marine Le Pen n'est pas assez aux plus petits candidats. Invité à dire qu'ils sont les candidats qu'on entend trop, 47% des personnes interrogées ont cité Nicolas Sarkozy, 39% François Hollande et 32% Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, avec 13%, est au quatrième rang. Je vais donc immédiatement appeler la responsable du service de presse de campagne de François Hollande, la divine Dominique Bouissou, pour lui demander si elle a acheté le dernier album de la divine Carla Bruni. Noémie, au lieu de regarder ton portable, est-ce que tu veux te mettre en place pour le jingle, s'il te plaît? Ah, divine Cathy, ça va? Ça va, divine Cathy? Oui, elle va bien, elle se dirige vers le téléphone, divine Cathy. Bon, alors, jingle. Noémie, jingle, s'il te plaît. Ça vient d'être fait. Merci. J'appelle donc la divine Dominique Bouissou, responsable du service. C'est le QG de campagne hein, du PS. On dirait du mauvais Pink Floyd, non? La musique d'attente du peuple. Allô? Oui, QG de campagne, bonjour. Le QG de campagne du Parti Socialiste? J'ai de campagne de François Hollande, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, je suis Jackie, animateur du JJDA en direct sur EDF1. Pourrais-je parler à Dominique Bouissou, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas. Pardon? Ne quittez pas. Merci beaucoup, madame. Le QG de campagne de François Hollande. Hein. Magnifique musique d'attente. Service presse, François Hollande, bonjour. Oui, bonjour, je suis Jackie, animateur télé du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Dominique Bouissou? Elle est en réunion, elle vient juste de commencer sa réunion. Donc ah, voilà. D'accord. Désolée, okay. Au revoir. Ah, maintenant, à part ça, je peux peut-être vous poser une question, non? Allô? 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 Allô, je suis au QG de M. François Hollande? Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que vous avez écouté l'album de Carla Bruni? Non. Bon. Vous avez envie que je vous l'envoie ou non? Pas plus que ça. Pas plus que ça? Vous n'aimez pas trop ce qu'elle fait musicalement? Je suis très occupée. À bientôt. Ah bah moi aussi. Au revoir. Bon voilà, hein, c'était le QG de François Hollande. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Allô, bonjour, c'est Sébastien. Sébastien, bonjour Sébastien, ça va? Ça va et toi? Ben oui, tu m'appelles d'où, Sébastien? J'appelle d'Anthony, 92. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sébastien? Ben, je recherche un emploi dans la préparation. Dans la quoi? Préparation de commande. Ok. Bon, tu as des questions à me poser, Sébastien? Ouais. En fait, déjà, je tenais à souhaiter bon anniversaire à la chaîne IGF1. Oui, nous avons 4 ans aujourd'hui. Merci, Sébastien. J'ai une petite idée pour toi, parce que je sais que tu recherches une Miss JJDA. Oui, une Miss JJDA, oui, 2012, oui. Et j'aurais quelqu'un à te proposer, en fait. Ah bon, bah alors il faut qu'elle m'envoie 3 photos, tu as entendu mon annonce? Non, mais tu la connais très bien, moi, j'aimerais bien qu'à Miss JJDA 2012, ce soit Noémie. J'en étais sûre. Ah, Noémie, oui, mais alors Noémie, est-ce que tu veux te présenter à Miss JJDA 2012? Je suis déjà votre assistante, Jackie. Oui, elle est mon assistante et mon décor. Elle gagnerait au lame. Oui, pas sûr. Oui, en plus, vous laissez sa chance aux autres filles. Hein. Oui. Bon, à part ça, Sébastien, pourquoi tu as craqué pour Noémie? Non, j'ai déjà bon. Quelqu'un, mais je l'aime beaucoup. D'accord, ok. Une autre question, Sébastien? Non, c'était tout. Voilà. D'accord, bah, super, ciao, Sébastien, au revoir. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, très bien. Nous poursuivons l'émission. On est sur EDF1, là. Hein. Oui, on est sur EDF1. Autre news rock'n'roll. Dans une interview accordée à mon confrère, le magazine rock Rolling Stone, sans S, Mick Jagger et Keith Richards, avec un S, pardon, excusez-moi. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Salut Jackie. Oui, salut, c'est qui? Mario. Mario, comment vas-tu Mario? Ça va et toi? Bah, ça va très bien, tu m'appelles d'où Mario? Je t'appelle de Grolet, dans le 95. Dans le 95, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mario? Je suis graphiste. Graphiste, qu'est-ce que tu fais comme genre de graphiste? Bah, en fait, je crée des sites web. Ah, tu fais le site web, ouais, c'est sympa. Et tu regardes le JJDA? Ouais, c'est souvent, ouais. Ouais, t'aimes bien alors?
Ah bah j'adore, je kiffe. Ouais, tu kiffes à mort ? Je kiffe à mort, je kiffe ton décor, je kiffe ta poule, je kiffe tout ce qui bouge. Bah ouais, ah ouais, tu kiffes... Chut, les filles, de sérieux. Bah écoute, j'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de la chaîne, donc c'était déjà pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Je crois que ça fait 4 ans, c'est ça ? Ouais, ça fait 4 ans aujourd'hui, 20 mars 2008. Ah bah super, vous allez fêter ça ou pas ? Oui, on va fêter ça, t'inquiète pas, on commence un avec le buffet tranquillement. Ouais, ouais, t'inquiète pas, ça va être bien. Merci. Ah super, il est là l'ingénieur du son là ? Oui, oui, Florian est là, montre-toi Florian. Florian, c'est ça ? Florian, montre Florian. Ah Florian, tu peux nous passer un petit joyeux anniversaire quand même, c'est l'anniversaire de la chaîne là. Bah oui alors. Fais-nous bouger tout le monde là. Jackie. Bon Mario, bon à part ça Mario. Allez, fais-nous une petite danse Jackie avec les filles là, on va jamais danser avec elle. Tu vas pas me dire ce que je vais faire. Allez Florian, mets le son. Voilà, c'est le happy birthday. Ah, magnifique. Bah une très longue vie à la chaîne. Hein. Happy birthday. Voilà. Bon, t'es content, Mario ? On souhaite beaucoup de bonnes choses pour la chaîne. Comme... Ok, bah. Et voilà, beaucoup de nouvelles émissions, beaucoup de bonnes choses pour tout le monde. Merci beaucoup, Mario. Super, ciao, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bise. C'était Mario. Ah. Bon, alors, autre news, je disais. Rock'n'roll. Dans une interview accordée à mon confrère le magazine Rock Rolling Stone, Mick Jagger et Keith Richards annoncent qu'ils se sont réconciliés. Les deux membres des Rolling Stones ne se parlaient plus depuis la publication de Life, le livre de Keith Richards, dans lequel il décrivait Mick Jagger comme quelqu'un d'insupportable. Pas insupportable, Mick Jagger, qu'est-ce que t'en penses, Florian ? Je sais pas, moi, j'ai plus contacté. D'accord. Keith Richards a déclaré, je cite uniquement, « On a beaucoup parlé depuis un an, comme on n'en avait pas fait depuis longtemps. Et c'est extrêmement important pour moi, le livre racontait mon histoire comme je le voulais. Je sais que des passages étaient durs et ont été très commentés. Cela faisait de la peine à Mick et je le regrette. » Fin de citation. Enfin, le principal, c'est que Keith Richards et Mick Jagger soient réconciliés. Voilà. C'était donc les news du JJDA. Attention les filles. Ben oui, ben c'est l'heure. Regardez l'heure, l'heure tourne. C'était donc les news du JJDA. Bravo. Eh bien, dans quelques instants, je recevrai la divine Claire de Namur, que je vous demande d'applaudir très très fort pour son nouvel album Vagabonda. Mais avant, il y a une séquence très très importante dans le JJDA. Tout le monde est prêt pour annoncer ? Tu es prêt, Florian ? Voici donc les pubs !